السلام عليكم، أهلا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعليم اللغة العربية. Aujourd'hui, on va parler de sujet comment indiquer le chemin. Et pour commencer notre cours, on va avoir besoin des outils dont j'ai mentionné dans la précédente vidéo. Donc, nous avons besoin de Google Translation, Google Traduction pour utiliser le clavier de la langue arabe. On aura besoin aussi, peut-être, de Moi j'aime le marané. Donc ça c'est pour vous. Si il y a un mot que j'oublie de traduire pendant l'explication de cours, vous pouvez faire recours à ces outils pour chercher le sens ou pour pouvoir saisir les mots et essayez vous-même de trouver des traductions. Donc pour commencer, on a besoin de notre document Word et donc les configurations de notre document, mise en page, taille comme d'habitude, A4, marge moyenne, donc vous pouvez sauter tout ça. Après accueil, donc on va écrire en langue arabe, donc le document est bien orienté. On va dire donc je vais commencer par poser la question à propos de notre cours d'aujourd'hui, Kaifa, donc la langue arabe, je m'assure, oui, c'est la langue arabe, Kaifa, as'alu an makan. Donc on va ajuster, on a dit pour simplified arabic, pardon, simplified arabic, donc et après 14. Je ne sais pas si c'est visible pour vous. Donc, Kaifa. C'est un outil pour poser des questions. Kaifa, as'alu, verbe sa'ala, demander, conjugué au présent. An, makanan. Point d'interrogation. Kaifa, as'alu, an, makan. On va ensemble construire un dialogue. Imaginons que moi j'arrive à la gare de Grenoble et je veux aller à l'université. Donc, Anna fait Mahapat al-Qitar. Anna fait Mahapat al-Qitar fait Grenoble. Je suis dans la gare de Grenoble. أريد أن أذهب إلى الجامعة. Donc à l'université de Gir. Comme ça, on va compliquer un peu le trajet pour savoir comment on pose la question, comment on va aller à l'université de Gir. Donc, donnez-moi un nom. Donc, ce n'est pas mon nom réel, on va supposer Ahmed. Donc, moi, je m'appelle Ahmed. Donc, après, je trouve une fille, Fata, fille Ashara, par exemple. Donc, je sors de la gare, je croise une fille dans la rue et je vais poser la question. Qu'est-ce que je vais dire? Je vous laisse réfléchir un peu. Et moi, j'attaque. Donc, pour commencer, on va saluer. Marhaban. Uridu. Je veux. Uridu an adhaba ila al-jami'a.
كيف أذهب إلى Donc, j'ai posé la question. أريد أن أذهب إلى الجامعة. كيف أذهب إليها؟ Donc, maintenant, la fille, elle va demander une précision d'information. Donc, les universités sont nombreuses à Grenoble. Elle va demander quelle université? Ayu Jamiaten. Ou bien Ayatou, parce que c'est féminin, Jamia féminin, donc on va utiliser Ayatou. Quelle? Ayatou. Quelle? Quelle université? Donc, Ahmad, elle répond. Elle va dire Uridu an adhaba ila jamiat Stendhal. Donc, Kulliyat al-Lughat. Donc, Uridu an adhaba, Uridu an, je veux adhaba. Il y a deux verbes. Donc, pour séparer les deux verbes, en arabe standard, on va utiliser an pour lier les deux verbes. Uridu an adhaba ila jamiat Stendhal. Je vais mettre Stendhal entre guillemets comme ça. C'est plus clair que c'est un nom propre parce qu'en langue arabe, on n'a pas le majuscule et le minuscule pour différencier les noms et les noms propres. Donc, kulliyat al-lughat, kulliya, c'est faculté. Al-lughat, faculté des langues. Donc, al-lughat, c'est le pluriel de l'oral. Maintenant, al-fata. Si vous constatez maintenant, fata fi ashara, fatatun, donc fille dans la rue. Et maintenant, al-fata, quand elle était indéfinie, donc on n'a pas mis le al-flam. Et maintenant, c'est défini, on va mettre le al-flam. Al-fata, hasanan. Donc maintenant, elle connaît comment indiquer le chemin. Hasanan. Et on commence l'indication. Pour aller à l'université, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le tramway. Donc le tramway, le ligne B. Khod, ta'khod. Donc je vais utiliser le présent parce que c'est le plus facile. On n'a pas abordé encore l'impératif pour certains participants dans ce cours. Donc hasanan ta'khodou. Tram B. Donc je vais le mettre en lettres latines parce que c'est le nom de tram. Donc tram, c'est un mot étranger, on l'utilise tel quel. Donc ta'khod tram B, bittijah. On va mettre shadda, bittijah, Oxford. Si je ne me trompe pas. Donc, tu as le tramway déjà à Oxford, maintenant. Thomas, puis, Tenzel, et Mahapat. Donc, le nom de Al-Mahapa. Bibliothèque universitaire, par exemple. Donc ici, c'est Ism al-Mahatta. Ism al-Mahatta. Al-Lati Yanzel. Fiha. Yanzel, donc, du centre. Ta'khod tramway bitija. Oxford. On va, je vais mettre ça, Oxford, entre parenthèses aussi. Comme ça. Vous pouvez changer les mots selon le dialogue que vous voulez construire. Thomas Tanzel, fi mahabbat, wa hunaka takunu al-jamia.
أحمد، هل المكان بعيد؟ Donc, est-ce que c'est loin? المكان، le lieu، بعيد، بعيد، loin. هل المكان بعيد؟ الفتاة définie aussi avec الفلام. نعم، هو بعيد قليلا. Donc, il est un peu loin. تحتاج نصف ساعة تقريبا لتصل إلى الجامعة. Donc, si on prend le tramway, donc on va arriver en une demi-heure presque. نصف ساعة، نصف، une demi ساعة، heure، تقريبا، presque. لتصل pour arriver. Donc, il y a le لي. On va aborder la grammaire en détail dans un deuxième temps. إلى الجامعة. Donc maintenant, Ahmed, il a toutes les informations nécessaires. Hassanan, Shukran, Jazilan. Donc Shukran Jazilan, Shukran c'est merci, Shukran Jazilan, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment, etc. Maintenant, il connaît comment aller à l'université. Donc, je vais mettre en forme Kaifa Asalo, donc, et ça c'est l'introduction de notre dialogue, et ça c'est le dialogue. Bon, on a construit ensemble notre premier dialogue Kaifa Asalo an Makan. Donc, si on va analyser, donc, si je m'interroge sur un lieu, je veux aller dans un lieu. Donc, je vais dire Kaifa adhab. Donc, les mots utiles. Mufradat. Mufradat wa tarakib. Donc, tout ça. On va le mettre simplified aussi. Et 14. Mufradat wa tarakib. Mufradat, donc mots et expressions. Mots et expressions. Donc pour demander le chemin, Kaifa adhabu ila. Kaifa adhabu ila. Donc, Kaifa, c'est un outil qu'on utilise pour s'interroger sur la manière. Comment? Adhabu ila al-jami'a, Kaifa adhabu ila markaz al-barid, Kaifa adhabu ila al-masbah, la piscine, Kaifa adhabu ila al-mal'ab, au stade, etc. Donc, pour remplir le trou pour cette question, pour pratiquer, vous pouvez aller sur Google, vous tapez un mot en français, par exemple. Donc, le mot en français, on change la direction, langue cible française, langue source française. Donc, on obtient le mot en langue arabe et on remplit pour avoir des mots. Kaifa adhabu ila al-jami. Donc, autre question. Donc, Kaifa asilu ila. Comment je peux arriver à Kaifa asilu ila al-baladiya? On peut dire aussi abhatu an quelque chose, abhatu an maktab al-barid. هل تعرف أين يكون؟ أبحث عن مكتب البريد، par exemple, le bureau de poste. هل تعرف أين يكون؟ Est-ce que tu connais où c'est؟
On peut dire aussi Uridu. Donc, je commence par une phrase normale, après je pose la question. Uridu an adhaba ila. Puis, kaifa adhabu ilayhi. Donc, uridu an adhaba ila. Kaifa adhabu. Donc, pour les verbes préposition, il faut faire attention. Adhab ila. Asilu, ila, j'arrive à. Abhatu an, je cherche quelque chose. Donc, il faut mettre la préposition an, c'est toujours. Uridu an adhaba. Kaifa adhabu ila. Donc, adhabu ila. Donc, après, pour indiquer le chemin, on peut dire ta'khudu. Ta'khudu, tu prends at-tram, par exemple, on peut dire ta'khudu al-hafila, le bus, ta'khudu al-qitar, ta'khudu al-ta'ira, etc. Donc, ta'khudu tram, c'est connu, al-hafila, c'est le bus. Un peu, en dialecte, en langage courant, on utilise le bus. T'achodes le qatar, le train, tu prends le train, tu prends l'avion, la taïra, etc. Donc, ça c'est pour les moyens de transport qu'on peut utiliser pour aller à une destination. Des mots, donc, pour indiquer le chemin, si je pose la question à une personne et que l'endroit n'est pas loin, donc je n'ai pas besoin d'utiliser un moyen de transport, donc je vais aller à pied. Donc, adhabu, machian, machian, donc marchant. Machian ala al-aqdam. Machian al-aqdam, donc tout ça, c'est une expression. Machian ala al-aqdam, c'est l'équivalent de à pied. Adhabu machian ala al-aqdam. Si je n'utilise pas un moyen de transport. Et pour, donc, si je marche dans un rue, donc un rue c'est tariq. Rue ou route. Et après, si c'est une autoroute, c'est Tariq Seria. Tariq Seria. Donc, voie rapide. Tariq, c'est voie. Donc, ça se traduit en voie aussi. Seria, rapide. Donc, si un croisement, un carrefour, c'est Takatou Toroq. Donc, je cite les mots qu'on aura besoin pour indiquer le chemin. Maintenant, on va aller sur un plan. Un plan, c'est Kharita. Kharita ou bien Kharita. Si on dit Kharita, c'est plutôt la carte du monde. Si on dit Kharita, c'est donc, ça peut marcher pour les deux. Soit la carte du monde, la carte d'un pays. Ou bien la carte de transport, par exemple. Par contre, Kharita, l'usage courant pour ce mot, c'est pour une carte de géographique. Donc, carte d'un pays ou carte du monde. Donc, Tariq, Tariq Seria, Takato, Torok, avoir besoin de savoir comment dire pont, jesr, jesr, pont. Donc nous avons aussi le trottoir, c'est rasif, mouchat. Rasif, c'est trottoir et mouchat de piéton. Donc moucha, c'est
Le pluriel de marché, c'est le piéton. Rasif Moucha, c'est le trottoir, donc l'ensemble. Donc, place, square, saha. Public, amma. Saha, amma. On peut ajouter. Si c'est un jardin ou parc, donc c'est hadika et amma. Public aussi. Donc, ici nous avons dit tariq, tariq, donc tariq, il y a des synonymes pour tariq aussi, tariq, chara, si je suis en voiture, je peux passer dans un tunnel, nafaka. Je peux rentrer dans un carrefour. Donc carrefour, on l'a dit, on l'a traduit avant, takatotorok, c'est carrefour. Après, donc si c'est un rond-point, c'est dawar. Dawar, rond-point. Carrefour, takatotorok. Donc la différence, c'est toujours un croisement des routes. Mais la différence que dans Dawar, il y a le cercle qui sépare le croisement. Qu'est-ce que nous avons encore? Si je marche à pied, j'aurais besoin peut-être de savoir le mot Isharat Murur. Isharat Murur, c'est le feu tricolore. Et après, Mawqaf, Al-Hafila, donc l'arrêt de bus, ou bien Mawqaf, Sayarat, Mawqaf, Sayarat, un parking, Mawqaf, Al-Hafila, arrêt de bus, donc nous avons dit que Hafila c'est bus et Mawqaf Sayarat. Donc, maintenant, les phrases qu'on peut utiliser pour indiquer le chemin. Donc, on va faire une démonstration d'abord, après on va rédiger. Si je vais sur la carte, donc ça c'est mon jambe, les outils qu'on peut utiliser. Donc, j'avais préparé parce que j'ai la connexion Internet est mauvaise chez moi, donc j'ai préparé la carte. Donc, imaginons que je veux aller de Grenoble à Nantes. Donc, Grenoble-Nantes. Et je vais en transport en commun, ici. Comment indiquer le chemin? Donc, je vais dire, pour aller de Grenoble à Nantes, li adhaba, moi, ou li tadhaba. Anta, li adhaba, men. Donc je vais mettre le voyelle final. Men Grenoble, ila, Nantes. Madafan. Qu'est-ce que je fais? Donc, adhab, awalan, je vais d'abord de Grenoble. Si j'agrandis la carte un peu pour voir. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, je vais de Grenoble à Lyon. Adhabou. Awalan. Men. Grenoble. Et là, Lyon. Thumma, puis. Donc, Thumma, puis. Je vais mettre le Dhamma. Puis quoi? Puis de Lyon à Paris, on peut préciser aussi de Paris, gare de Lyon. Thumma men Lyon à Khodou, al-Qitar, ila Baris. Donc j'ai ajouté une information, à Khodou al-Qitar, je prends le train, parce que je voyage en transport en commun. ثم من ليون من مدينة ليون آخذ القطار إلى باريس ومن باريس
بالقطار أيضا أذهب إلى نانت. Donc, ومن باريس et de Paris بالقطار أيضا en train أذهب إلى نانت. Donc ici, ils ont mis métro et métro, donc ça, je ne rentre pas dans les détails. Donc les grandes lignes, c'est de Grenoble à Lyon, men Grenoble ila Lyon, men ila, thumma ila, thumma ila. Donc, men ila. Donc la première. Le premier parcours du chemin, donc men le nom de place, il a le nom de place, thumma ila. Donc si je dis thumma ila, c'est-à-dire à partir de ce place, je vais dans l'autre destination, soit je répète thumma men baris ila, etc. Et comme ça, la phrase sera juste et correcte. Donc, si je prends, par exemple, je voyage en voiture, donc le chemin, ça va être différent. Donc, ça reste pareil. Min Grenoble, adhab ila Lyon. Wa min Lyon, adhab ila had al makan. Donc, je suis allé plus loin. Donc, il a Clermont-Ferrand. Adhab min Grenoble ila Lyon. Thumma ila Clermont-Ferrand. Thumma amor. Donc, je passe dans ces villes jusqu'à arriver à Nantes. Dans le deuxième. Donc, il faut dire men. Men, donc le nom de ville. Adhabon. Et là. Donc, deuxième nom de ville. Wamenha. Et de cette ville, Wamen plus Ha, qui renvoie à la ville, Wamenha. Adhabu, Bittijahi, dans la direction Bittijahi. Et un autre nom de ville, Thumma, donc je complique encore les phrases, Thumma. Amurru, je passe, Bi, Amurru, Bi, nom de ville, Wa, un autre nom de ville, Wa, s'il y en a plusieurs, Hatta, Asila, Akhiran, Ila, et notre destination. Donc je vais remplir ici, Men. Donc je vais mettre entre parenthèses, comme ça vous voyez le trou, Men, Men, Grenoble. من غرونوبل أذهب إلى ومنها أذهب باتجاهي دونك سان سي دونك جو في دير سي بالسيارة دونك سان سي بالسيارة أكي دونك سوليني سان سي باردون بالقطار quelque part, donc je vais dire ça. Bilkitar min kada ila kada thumma ila kada. Bissayara min Grenoble adhabu ila. Donc vous avez la carte, vous pouvez changer le point de départ et le point d'arrivée. Et donc comme ça vous pouvez vous entraîner. Assez le Khiran, il a Nantes. Donc ici, je vais mettre Nantes. Entre parenthèses, et vous pouvez changer aussi vous, la direction. Si on passe dans un autre... je donne un autre exemple maintenant avec la carte de la ville. Donc, la carte de la ville,
Ou on peut employer les autres mots, carrefour, coin, par exemple, ici, Zawiya, coin. Donc, je vais ajouter dans les vocabulaires mots, ça ira, Zawiya. Zawiya, coin. Donc, je donne l'exemple. Où on va aller? Par exemple, je suis là. Et donc, ça, c'est la vue devant moi. Et je veux aller, si je veux aller tout droit, comme ça, qu'est-ce que je dis? Pour aller tout droit, ou tabi'u as-sayra mubasharatan. Ou tabi'u as-sayr mubasharatan. Donc, je continue de marcher tout droit, mubasharatan, directement. Donc, si je traduis littéralement, je continue à marcher directement et donc ça donne le sens, je continue à marcher tout droit. Donc, je vais donner un autre équivalent en dialectal. Donc, ça, je le mets entre parenthèses, bil'amiya. Amchi ala tol. Ala tol, c'est oui. Tol, tol, il y a plusieurs mots, donc ça dépend les contextes et les dialectes. Vous savez, les dialectes sont très variés dans le monde arabe. Donc, je suis là. Et je veux aller à droite. Donc à droite. Utabi'a sayr mubasharatan. Adhab ila al-yamin. Donc à droite al-yamin. Adhabu. Donc je vais le mettre juste à côté. Adhabu ila al-yamin. Ila al-yasar. Donc al-yamin c'est la droite. Et al-yasar c'est la gauche. Adhabu ila al-yamin, adhabu ila al-yasar. Donc je vais à droite, je vais à gauche. Ça c'est le zawiya, on l'a dit. Donc ça c'est le principe. Adhabu, on peut dire aussi attajihu yaminan yasaran. Donc tout ça, je parle de moi. Adhabu, ana. Attajihu, ana. Si j'indique le chemin à une autre personne, on va utiliser la forme de l'impératif. Adhabu, donc ça c'est entre parenthèses, je vais le mettre à la fin. Ana, ça c'est pour la conjugaison. Idhab. Avec sukun, donc ça c'est le forme de l'impératif idhab ila al-yamin al-yasar. Donc ça c'est l'impératif anta amr amr, c'est-à-dire impératif. Donc ana conjugué à la hadar, présent, conjugué à la présent, au présent. Et anta, donc conjugué, idhabi ila al-yamin ou bien al-yasar. Donc ça c'est anti avec kasra et aussi c'est l'impératif amr. Pour ittajih, attajihu ana, donc ça c'est attajihu ana hadar ou bien mudara, le terme de la grammaire classique arabe. Ittajih avec sukun yaminan ou yasaran. Donc ça c'est anta amr et ittajihi yaminan yasaran. Donc ça c'est pour
anti-amr, anti-impératif. Une remarque concernant la traduction par le moyen de Mu'jam al-Ma'ani. Donc, j'ai remarqué ça. Si je mets Tariq par exemple, donc les premières traductions qu'il me donne, ce sont les traductions parfois compliquées ou difficiles, ou donc c'est les traductions spécialisées. Donc, si Tariq elle donne les synonymes Sabil et Darb, ce sont des mots d'arabe classique, donc qui se trouvent dans les livres plutôt que dans le langage courant. Et ça, donc Tariq chemin, Tariq voie, Tariq route, ça c'est bon. Mais si je dis étagère, donc étagère chamalan, donc la direction nord, nord dire étagère nahwa, cinglé, et ça ce n'est pas très satisfaisant comme traduction. Donc dans ce cas, si vous cherchez en traduction et vous voulez vraiment avoir les mots du langage courant, donc descendez dans la page et allez-y dans Amthila donc exemple contextuel, ittajah, le verbe dont je cherche la signification, fi nas mutarjam, dans un texte traduit. Et si vous voyez ici, donc nous avons des phrases contextuelles, ittajah ila al-janoub, abqihi dafi'an, wattajah ila al-janoub, etc. Donc ça c'est un extrait d'une phrase traduite. Et ça c'est tarjamat al-aflam, donc traduction des films. Et je vois que les traductions des films, sont les traductions les plus proches de l'usage quotidien de la langue. Et ici, on va trouver la traduction qui nous satisfait. Donc ici, vous irez. Donc, tadhab, si vous voyez la traduction. Vanantu bi anni attajihu. Je pensais me diriger. Donc ça, c'est une traduction agréable. وفقا للوقت الذي غادر فيه مطعم البيتزا والاتجاه الذي اتجه اليه اتجه اليه دونك دو ديبار دو لا ديريكسيون كيل بروني دابري سون اور دو ديبار دونك ديبار اي لا ديريكسيون دونك vous voyez le mot direction qui signifie déjà elle a dit attajihu ilayh donc ici le mot ce n'est pas exactement le mot utilisé en langue arabe qu'elle prenait, qu'elle s'orientait vers laquelle elle s'est orientée, etc. Donc dans les traductions, donc le footing, si vous allez sur Amthila Siyaqiyya, vous trouvez les traductions donc les plus courantes de mots, alors que les premières traductions qu'on trouve dans le Mu'jam al-Ma'ani sont des traductions spécifiques, spécialisées. Donc, je reviens sur notre carte. Maintenant, si je suis là, je veux aller à Koussé. Koussé, c'est un arrêt de métro. Donc, ça, c'est la carte de la ville de Villeurbanne. Donc, أريد أن أذهب. Je vais essayer, mettre Tadrib. Donc, ici. Tadrib. Tadrib, c'est-à-dire exercice. Kaifa adhabu men al-makan. Je ne vais pas compliquer la phrase, mais makani de ma position, makan plus i. Kaifa adhabu min makani ila QC. Donc, on va aller de ma place, de ma position, jusqu'à
QC. Et donc, mon orientation, c'est comme ça. Donc, comme c'est ça la vue. Donc, je vais aller ici, après, aller par cet endroit. Comment on va dire la phrase? Fille, donc, ici, je vais vous mettre la carte. Fille. Dans la carte. كيف أذهب من مكاني إلى كوسي في الخريطة؟ Je vais supprimer في الخريطة. Je vais mettre la question directement parce que je vais mettre la carte ici, insertion. Je vais déjà faire un capteur d'écran pour notre carte bureau. Donc nous sommes cours, quel cours? C'est le 23 et voilà notre carte. Donc, je vais faire des liens et vous laisser écrire. Que c'est suffisant comme ça. Même trois lignes, c'est suffisant. Je vais supprimer un, deux, trois lignes. Et après, si vous voulez faire d'autres, je vous laisse le document Word, comme ça vous pouvez ajouter autant des lignes que vous voulez. Et donc, pour nous, pour donner un exemple, là, donc, vous allez dire comment aller de cette position. Vous allez prendre cette direction. Vous allez passer, négliger cette entrée. Et donc, vous allez dire que vous allez arriver ici. Après, tourner, ettajeh. Donc, nous l'avons dit. Ettajeh nahwa. Je ne sais pas si je l'ai traduit ou pas là. Ettajeh. S'orienter. Se diriger. On peut aussi chercher la poste. كيف أذهب إلى مكتب البريد la poste. كيف أذهب إلى من مكاني إلى. Tu sais كيف أذهب إلى مكتب البريد. Donc deux questions. Donc, si je veux aller par exemple à casino supermarché, de ma position, je vais dire min makani, donc je vais commencer la phrase min makani. Etc. Donc, on va continuer. من مكاني أتجه يسارا donc moi je suis là من مكاني أتجه يسارا ثم أتجه يمينا ثم أمشي في rue du 4 août في طريق 4 août حتى أصل أمشي مباشرة دون أن أذهب إلى اليمين أو إلى اليسار donc je vais ajouter une phrase ici pour dire que je prends ni à droite ni à gauche. Donc ici dans les vocabulaires. أتابع السير مباشرة دون sans أن أذهب إلى اليمين أو إلى اليسار حتى أصل إلى. Donc, je vais chercher un point de repère. أذهب دون أن أذهب. Donc, je vais à gauche, puis à droite, puis je prends le route 4 août. ثم أذهب إلى اليسار. ثم إلى اليمين. ثم أمشي إلى اليسار في شارع 4 août.
وأتابع السير مباشرة دون أن أذهب إلى اليمين أو إلى اليسار. Donc je prends ni à droite ni à gauche حتى أصل إلى كازينو سوبر مارشي وأشاهد كازينو سوبر مارشي على يساري. Donc si حتى أصل إلى المكان. Donc ici المكان الذي أذهب إليه. Donc si ce lieu est à ma gauche, le lieu est à ma gauche, je vais dire ala yamini. Al makan al matloub, le lieu demandé, le lieu cherché, al makan alladhi abhath anhu, yaqa'u, se trouve ala yamini. Ou bien ala yasari, à ma gauche. المكان المطلوب. Si je dis, je vais remplacer المكان المطلوب pour que ça soit plus clair. مكتب البريد يقع على يميني. Donc ici, مكتب البريد يقع se trouve يقع على. Donc on va pas oublier la préposition على يقع على. Yamini, yaka'u ala yasari. Donc, yaka'u ala, si j'indique yamin yasari, yaka'u ala yamini ala yasari. Yaka'u se trouve amama. Maktab al-barid, yaka'u amama. Donc, si je vais dire amama, amama quoi? Je vois rien ici sur la carte. Donc je vais mettre un exemple, n'importe. يقعو أمام المطعم. أمام الحديقة. الحديقة العامة. Donc nous avons dit jardin public. يقعو أمام, donc devant. خلف, on peut utiliser خلف. بجانب. خلف derrière بجانب. Donc je vais le mettre dans un lien. خلف quelque chose. بجانب quelque chose. قريب من quelque chose. قريب من endroit. بعيد. Donc si je décris بعيد. قريب c'est le contraire, c'est baïd. Donc, pour finir aussi, peut-être que ça sera utile de mentionner les quatre directions principales. Donc, vous connaissez peut-être. Shamal, Janoub, Sharq, Gharb. Shamal, Nord, Janoub, Sud, Sharq, Est, Gharb, Ouest. Donc, ce sont aussi des mots qui peuvent être utiles pour vous. Voilà notre cours d'aujourd'hui. Et dans une deuxième partie, parce que je pense que j'ai fait trop dans cet enregistrement, dans une deuxième partie, on va aborder quelques notions grammaticales à partir de dialogues qu'on a mentionné tout à l'heure. Merci pour votre écoute et bon courage pour votre apprentissage.